Dans d'autres capsules, tu as parlé des sorties hors corps que tu fais la nuit. Oui. Il y en a une à deux, entre autres. Je ne sais pas si tu as envie d'en parler, que tu t'es retrouvé. Tu sais, Ah, que tu es parti, oui. tu étais ailleurs, tu es Oui. revenu. Ouais, effectivement, lorsque je m'endormais le soir, j'allais souvent me promener dans d'autres mondes, et notamment sur une planète qui s'appelait Antarès. Et la particularité de cette planète, c'est que il y avait des cristaux énormes qui sortaient des arbres, qui sortaient du sol, de Wow. l'eau. Il y avait des rivières d'eau, mais l'eau était comme rougeoyante, tu sais, un peu avec des cristaux au fond. C'était magnifique. Tu prenais comme du sable, c'était que des cristaux. Imagine-toi plein de pierres précieuses, mais dans l'eau. C'était-tu des cristaux de toutes les De couleurs? toutes les couleurs. OK. Et puis là, je voyais ça, et puis je ramassais ça, puis je buvais l'eau, puis je me réveillais en fait dans mon lit, et le matin, j'avais curieusement le bas du pantalon humide, comme si j'avais marché dans l'eau. Ton bas de pantalon, il est Oui, humide. alors je rassure les gens, je n'ai pas fait pipi dans mon pantalon, parce que là, j'avais juste le bas du pantalon. Tu sais, comme quand tu vas à la pêche. Et je me suis dit, est-ce que j'y étais vraiment? Ou est-ce que j'ai rêvé ça? Et puis c'est comme un rêve éveillé, tu sais, tu as une sensation. Là, je décide de prendre mon petit sac à dos et de prendre une bouteille en plastique que je mets dans mon sac en me disant, je vais me réveiller là-bas, puis je vais remplir ça, puis etc., etc. OK, c'est une autre nuit là. Oui, une autre Ouais, nuit, une ouais. autre nuit. Fait que ce qui se passe, c'est qu'une autre nuit, je rêve encore de cette planète. Je suis dans le même endroit avec l'eau, et là, quand je me réveille entre guillemets sur le terrain où je suis, je vois l'eau, j'ai les pieds dans l'eau et j'ai mon sac à dos. Je veux dire, c'est étrange quand même de rêver que j'ai mon sac à dos et tu sais avec ça. Bon, là, je prends la bouteille, je la remplis d'eau, il y a des cristaux dedans, je referme ça, je mets le sac sur mon épaule, je continue, je me promène, je dis bonjour aux gens. Il y a des hommes chats, des hommes chiens, des gens normaux. Enfin, c'est vraiment incroyable. Ils ramassent des cristaux. Il y en a qui sont comestibles aussi. C'est vraiment spécial, tu vois. Et puis, je me réveille le matin. Évidemment, pas de sac à dos, tu vois. Donc, je me réveille. Et au moment où je me lève, je mets ma main à côté de mon lit. Il y a mon sac à dos. Je le secoue, j'entends floc floc. J'ouvre le sac, il y a la bouteille. Non. Il y a la bouteille d'eau rougeoyante avec les cristaux au fond. Je la mets dans mon sac, je me lève, je suis en pyjama, mes parents sont en train de déjeuner. Je leur explique ce que j'ai vécu. Ils me disent, ah oh ouais, ah oh ouais. Puis là, je leur fais, regardez, paf, je pose la bouteille. Ah, gros silence. Et ma mère est en train de faire un gâteau à ce moment-là. Et elle fait pas attention, elle met la main dans le four et elle se brûle vraiment solidement sur les éléments qui étaient rouges en haut. Mon père, pas une, pas deux, il prend l'eau sans savoir, il la met sur une espèce de petit coton là qu'il y avait, il met ça sur la main de ma mère en disant tiens, ça, elle dit mais qu'est-ce que tu fais, On pourquoi sait tu mets même ça, pas on sait c'est même pas ce que quoi. c'est. Fait que ça sentait un peu la fleur d'oranger, c'était curieux et rien du tout, elle a pas été brûlée et ça a comme cicatrisé, Cicatriser tout ça a seul. guéri, elle n'a pas cloqué ni rien du tout, pourtant c'était vraiment brûlé beaucoup. Donc, et là, après, mon père a décidé de faire l'erreur de vouloir avoir plus d'eau, il a mis de l'eau du robinet dedans Oh non. pour pouvoir dire l'allonger, parce qu'il disait eh, si c'est curatif, on va le garder. Puis ça a tué l'eau. L'eau, elle est devenue bizarre après, et puis on l'a gardée un bout de temps avec les cristaux dedans, et comme beaucoup de choses que j'ai ramenées, à un moment donné, elles ont disparu. OK. Ça a disparu, mais les cristaux étaient La verdâtres. bouteille a disparu. Ouais, la bouteille au OK. complet, ouais. C'est une petite bouteille comme ça, c'est les petites bouteilles Ouais. de genre Volvic, là. De l'eau et vient, De genre, l'eau, tu ouais, c'est sais. ça, les petites bouteilles en plastique, là. Ouais. Puis là, il y avait les cristaux tout au fond qui étaient OK. tapissés, tu sais. Oh, Donc OK. ça a disparu. Fait que ça, en fait, c'est pas juste un voyage Ah, astral, bah c'est non. vraiment une téléportation. Bah Si tu oui. reviens avec des Bah oui. objets. D'ailleurs, j'angoissais un peu parce que des fois, quand je pensais à cet endroit, je me dis, imagine que je sois pris là-bas, que je ne peux pas revenir. Je suis en pyjama à l'autre bout de l'univers. Alors, ça paraît dingue, mais quand tu le vis et puis tu ramènes quelque chose. Est-ce que tu as déjà fait des téléportations que tu as provoquées toi-même, tu sais, que tu
tu l'as vraiment... Ouais, j'ai expérimenté consciemment, oui. Dire, OK, je vais me téléporter à telle place, puis est-ce que tu as déjà... Ben, c'est la fameuse chose que je peux pas dire là, que je dirais autrement. D'accord. Ouais. Est-ce que tu en as d'autres, des téléportations non. de nuit comme ça? Non. Fait? Non? Non. Si on vient avec le fait que tu es protégé, que tu te sens protégé. Oui. Tu en as eu d'autres événements dans lesquels on t'a soufflé de ne pas aller à quelque part en particulier. Tu penses par exemple, à la catastrophe de Mégantic? Oui. Ouais. C'était quand même spécial la journée que ça s'est passé, hein? Ouais. Ouais. Peux-tu la raconter? C'est toujours assez émouvant pour moi de parler de Mégantic parce que j'avais avec mon ami Martin un gym de combat ultime qu'on avait là-bas. Et puis, c'est vraiment quelque chose de génial qu'on avait fait. Puis lui s'occupait de ça là-bas, il vivait à Mégantic. Mm-hmm. Et le jour où c'est arrivé, le problème, c'était dans la nuit du 6 au 7 juillet. C'était mon anniversaire et je venais de me séparer, donc j'étais dans un état qui était quand même assez down, très très down, et j'avais le choix de soit aller dans le bar où je travaillais, soit de descendre à Mégantic pour mon anniversaire. Et juste avant de prendre la décision de descendre, j'ai pris une photo de moi en selfie et la photo était complètement floutée, comme si mon visage dégoulinait, comme s'il fondait. Là, j'ai fait, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'objectif. Alors je nettoie ça, puis je reprends une photo, je refais pareil. Même chose. Là je dis ouais. Là j'avais pas, je comprenais pas ce que c'était, tu comprends? Mmh. Et puis finalement il y a comme une voix qui me dit non, n'y va pas. Et puis t'as des amis qui t'attendent au bar, profiter de ton anniversaire, ça te tente pas de descendre à Mégantic, qui est à 3 heures de route, etc., etc. Mon ami Martin me dit, allez, descends et tout, ça va être le fun, on va pouvoir aller au bar à côté, qui s'appelle le Musique Café. Mm-hmm. Je dis, écoute, non, finalement, je vais pas descendre, parce que c'est trop, c'est trop de... C'est quand même loin, c'est loin, la route, c'est loin. Alors, il me dit, ok, pas de problème. Donc lui, il décide de ne pas aller au bar, donc okay. Il n'y va pas. Tu comprends? Mm-hmm. C'est curieux, ça. À mon avis, je pense qu'il a été sauvé aussi. Et à ce moment-là, je m'en vais au bar, et là, je fête mon anniversaire. Mes amis sont là. Et dans cette nuit-là, arrive la catastrophe de Mégantic. Le train avec les wagons de kérosène qui rentrent dans la ville et qui brûle la ville. Des gens qui meurent brûlés. Et le Musique Café, terminé quoi. C'est une tragédie. Ouais. Et je devais y être. Ça, c'est une évidence. Je devais y être. On m'avait même encouragé à descendre. On m'avait dit, descends, ça va te changer les idées, viens. Il y a quelque chose d'autre qui me disait, non, n'y va pas. Mm-hmm. Merci. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intense dans ma vie parce que un, ça m'a sauvé moi, puis en même temps, mon ami, il est pas allé. C'était vraiment un beau café dans lequel il y avait du karaoké et tout, il y avait de la musique, puis d'ailleurs, notre amie était chanteuse là aussi. Diane. Et donc, ça m'a marqué pas mal. Ouais.